laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins été vivant. Que ton nom soit magnifié. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je m'invite à louer la Bible avec moi, nous prenons à 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4, que l'on connaît très bien, appelé en français et en créole, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Que l'a dit, m'a dit nous tout ça, parce que jamais si Jésus-Christ, moi j'ai confiance dans bon Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse pour ce que tu sais pour édification dans chaque monde qui l'a. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Assurance, bien-aimée. C'est thématique que le Seigneur va nous pour nous faire voyage là dans le 7e mois année. Assurance. Nous parlons de assurance en pile. N'a pas cheminé vers la fin. Moi, mais le Seigneur toujours gagne de quoi pour les partager avec nous. Il toujours gagne de quoi pour les ban nous. Et matin, hein, nous t'a remis l'attention sur assurance, assurance salut. N'a parlé de assurance, mais matin, si nous t'a posé chaque monde qui a une question, est-ce que ou sûr que vous sauvez? Est-ce que vous sûr que vous sauvez? Mon a viré bouche. Parce que il y a un pile débat, il y a un pile monde qui pas qui a dit de façon catégorique est-ce que vous sauvez, est-ce que vous pas sauvé. Bien-aimé, il y a assurance, assurance salut, assurance qu'on sauvé. Parce que ou même qui recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, comme maître et seigneur, ou capable sûr que péché pardonné et que le Seigneur a vive dans vous. Nous bien dit, monde qui recevoir Christ, tout bon vrai, comme Seigneur, comme Sauveur. Parce que, ou pas besoin sentir, non, mais bien aimé, la vie éternelle là, mais ou capable certain, ou capable sûr que ou recevoir Christ et Christ a vive dans vous. Alléluia. Est-ce que ou sûr de ça? Est-ce que ou sûr que Christ a vive dans vous? Parce que c'est là. Et la question, est-ce que ou sûr que Christ a vive dans vous? La parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, le verset 13, il dit, non, je vous ai écrit ces choses afin que sachiez que vous avez la vie éternelle. Ouais? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et il parle d'où? Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, dans verset 8 là, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, quittez me partager alors 5 raisons qui permettent nous sûr que nous sauver, qui permettent nous sûr de salut, ça, mes bien-aimés. Que religion pas ban nous, apôtre pas ban nous, prophète pas ban nous, famille pas ban nous, l'école pas ban nous, mais c'est Christ seulement qui ban nous ça. Alléluia. Premier bagage, première raison, c'est que c'est rédemption éternelle. Le Christ vini, l'y sacrifier, l'y verser sans couler, bien-aimé, sans couler pour péché nous, sans couler pour faute nous, sans couler pour laver nous, sans couler pour purifier nous, sans couler pour nettoyer, sans couler pour nous capables de restaurer. Sans couler pour être capable de réconcilier. Donc, Jésus-Christ accomplit une rédemption éternelle. Ce n'est pas pour longtemps. Hébreux chapitre 5, verset 9, nous allons apprendre que il payait prière par son sang. Son prix élevé, selon 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, 1 Corinthiens 6, verset 20, qui pourrait le permettre, nous, mes bien-aimés, justifier, qui pourrait le permettre, nous, exister. C'est ça que fait nous justifier gratis, chéri. Donc, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, selon Romains 3, 24.
Donc, première raison qui fait moins capable sur ma fille, si vous m'avez demandé que me sauver, pour me dire oui, de façon catégorique, c'est rédemption éternelle que Christ ban moi. Deuxième raison, c'est le salut éternel. C'est pas un salut temporaire. Il n'est pas là pour un petit temps, bien-aimé. Il y a assurance dans le salut. Parce que je n'ai pas besoin de temps de jour mourir pour me connaître est-ce que je me sauver, est-ce que je ne pas sauver. Je n'ai pas besoin de temps de jour l'homme. Non, parce que la Bible déclarait que moins sauvé, la Bible déclarait que moins sauvé, si moi recevoir Jésus-Christ comme qui ça, comme sauveur dans la vie, c'est si moi recevoir. Si c'est un fake, si c'est émotion, si c'est chelbe, si c'est faire mon plaisir, là sont l'autre bagaille. Donc, je ne suis pas capable de perdre salut ça, parce que Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 9, le verset 15, il dit, l'Ivini, il est l'auteur d'un salut éternel. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Amen. Christ est l'auteur de salut éternel. Donc, il n'est pas auteur d'un salut temporaire. Il n'est pas auteur d'un salut passager. Il n'est pas auteur d'un salut pour un petit bout de temps. Il est auteur d'un salut éternel. Donc, on n'est pas capable de perdre dans aucun cas. Depuis Christ dans la vie, depuis Christ a vivre dans moi. Donc, deuxième raison, c'est pour salut à l'éternel. Donc, il n'est pas passager, il n'est pas temporaire. Il n'est pas pour un petit bout de temps, c'est pour tout le temps. Alléluia. Troisième raison, bien-aimé, c'est héritage là. Héritage là pour tout le temps. Héritage éternel là. Alléluia. Selon Hébreux chapitre 9, verset 15. Donc, nous pas seulement sauvés, mes bien-aimés, de condamnation, hein. Nous pas seulement sauvés de perdition, hein. Mais nous recevoir en même temps tout un glorieux héritage. Alléluia. Parce que, qu'on est bon Dieu, et participer à l'accomplissement de ces éternels là, ça c'est un paquet à faire pour moi avec vous. Et ça que la Bible va assurer nous qu'il s'agit là d'un héritage éternel. C'est pas un héritage périssable. C'est pas un bagage comme si mauvais temps passé, il prend libre hôtel la lavelle, yon crash financier paraît li vini et puis sont en train de perdre tout bagage, tout héritage. Non. Héritage ça mais bien-aimé pas grand rien qui ca disparaître lui pas grand rien qui ca broter l'aller pas grand rien qui ca secouer pas grand rien qui ca branler pas grand rien qui ca effacer lui là pour tout temps mais raison troisième raison qui fait que moi dois assurer moi sûr de salut moi sûr que me sauver alléluia quatrième raison c'est la vie qui pas jamais finir parce que la vie humaine bien-aimé est précieuse. Tellement qu'on connaît ça aujourd'hui. La vie moun li précieuse. Mais yon accident tragique t'arrivé, n'importe bagay t'arrivé. Et puis li poto ralé, li prend la vie ça. N'importe bagay t'arrivé, li prend la vie ça et puis tout bagay fini. Kounye a en revanche, la vie ça que ou te recevoir. La vie, ça, c'est la vie humaine. Il n'est pas capable, mais bien aimé. Vie, ça, que le Seigneur, Tebaoua, Zoéa, la vie éternelle, la loi accepter Christ, il n'est pas capable de perdre l'éternel. La parole de Dieu assurait que même Satan, mes bien aimé, même Satan pas capable de prendre, même Satan pas capable de retirer le nom, mais bon Dieu. Comprenez bien, oui. Même Satan pas capable de tirer au nom, mon Dieu, non. Et pour te financer, Jean chapitre 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous entendez? Personne ne les ravira de ma main. Pas de monde qui prend dans main Christ une fois qu'on financerait. Une fois qu'on fin en dedans et on dans tout bon ou pas dans instabilité ou pas chercher à droite à gauche ou que Christ cap vivre dans la vie ou tout bon ou que Christ en dedans tout bon la vie dans ou même la vie éternelle dans ou même zoé à dans ou pas gen moun qui cap retirer pas gen moun qui cap ralo meto de yo encore parce qu'on fin entré et c'est pas ton émotion c'est pas moun ou t'ap suivre c'est pas t'intérêt son t'ap fait c'est pas chelbe mais c'était
un appel, alléluia. C'était Christ qui t'a choisi, c'est lui qui t'a mis main sur ouvrir, c'est bon Dieu même qui a arraché au côté de toi et là où gain la vie qui pas jamais finir. Pas gain monde même Satan pas retirer dans mes Christ. Et ça qu'il y a une discussion sur ça, bien-aimé. En pile, mon a fait, a parlé en pile sur lui, il a voulu faire passer comme un sujet controversé. Non, pas de controverse là-dedans. La Bible garantit ça. Je sauvé, oui, une fois que Christ dans la vie, je ne pas vaciller, je ne pas rouler de bord, je ne pas entrer sortir. Non, mandant net, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Son l'autre monde, la vie éternelle entre dans moi. Pas de mentir dans ça, bien-aimé. Elles ne périront jamais. Mes paroles là. Dans Jean 10, verset 28, il y a deux bagailles, ça y est. Jamais et personne. Les deux, elles ne périront jamais. Ça que yo baille là. Hein? Libre, la vie qui n'a pas besoin de finir. Et tout ça qui vient de la caille, yo pas péri. Et les deux, personne ne les ravira de ma main. Pas même Satan. Pas même Satan, personne ne les ravira. Pas un monde qui a vu pour nous, mais Christ. La paix, bon Dieu, avec eux. Et dernier raison, mes bénis. Vous devez être sûr que vous sauvez. Même là, vous levez dans le domi, vous demandez est-ce que vous sauvez. Il faut que vous répondiez. C'est pour l'amour éternel, la dernière raison. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 31, le verset 3, il dit Dieu nous aime d'un amour éternel. La paix, bon Dieu, avec eux. Dieu nous aime d'un amour éternel. Donc, moi-même, avec au matin, hein, nous capables d'avoir assurance que rien n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Parce que, apôtre là, il va apprendre nous, dans Romains chapitre 8, verset 38 et 39, il va dire ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Maintenant, frère, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Pas de monde qui a arraché une fois qu'on finit d'entrer. Maintenant, ou même qui peut avoir assurance ça, ou même qui peut avoir Christ pour gagner garantie ça, pour gagner assurance ça, qui parle pour un petit temps. Il a pour tout le temps. Ou pas un renouvellement chaque 6 mois, chaque 1 an. A gagné sa pièce. Parce que Christ, ba ou yon assurance éternelle. Ou sauver, une fois qu'on prend ni, ou délivrer, ou sauver, ou restaurer, ou réconcilier avec papa pour tout le temps. Et raison ça, yon, mes bien-aimés, c'est yon même qui fait que moins sûr que moins sauvé, moins sûr de après la mort, après j'aime. Fin fermé, ma prône côté m'bralé. Donc, ma tension, même ou pour qu'on gagne garantie ça, ou pour qu'on gagne salut ça, c'est le moment idéal pour vous, pour l'ouvrir votre cœur, pour accepter contrat ça, pour accepter contrat assurance ça, assurance salut, délivrance ou, assurance qui peut faire, ou venir l'autre monde. Que le Seigneur bénisse, que le garde, que le protège, que le passe avec vous. Et que le bon force pour avancer, pour accepter, garantir ça, contrat ça, assurance ça. Rédemption éternelle, salut éternel, héritage éternel, la vie éternelle, l'amour éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen.